Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons mettre en place la base de données avec Rocket. Donc pour commencer on va regarder la documentation. Donc si je descends dans la section State, nous devrions avoir un onglet Databases. Donc en fait, comme pour les templates, Rocket nous propose d'avoir plusieurs moteurs de base de données et on peut choisir celui qui nous intéresse le plus. En Rust, le moteur de base de données le plus commun et qui est utilisé un peu partout s'appelle Diesel. Donc Diesel c'est un moteur très puissant qui permet de faire pas mal de choses au niveau du SQL, en particulier avoir des requêtes typées pour ne pas avoir de problème. Donc à la compilation, Rust va vérifier que nos requêtes sont correctes. Au début, je voulais utiliser Diesel et puis après, j'ai regardé un petit peu la documentation. J'avais déjà expérimenté il y a quelques mois, voire même peut-être années, sur Diesel, mais j'avais trouvé ça compliqué à mettre en place parce que Diesel, c'est vraiment un moteur très complexe qui apporte beaucoup de choses et qui fait de la génération de code à la volée. Donc, c'est-à-dire que quand on, lors de la compilation, Rust va générer du code qu'on n'a pas écrit et qui va nous permettre de faire des choses un peu plus puissantes avec ce moteur de, de base de données. Donc, ça, c'est un peu le souci de, de Diesel. Et donc, je me suis dit. Tant qu'à faire, autant utiliser quelque chose de beaucoup plus simple pour ce projet, parce que je n'ai pas besoin de toute cette complexité, et je me suis décidé pour utiliser plutôt SQLite avec RustQLite. Donc on va utiliser RustQLite dans cette vidéo, et on va essayer de le mettre en place. Donc je vais descendre un petit peu, et je vais regarder un petit peu ce qu'il faut rajouter. Donc dans l'usage, usage, il faut rajouter dans notre cargo.toml, il faut rajouter dans rocket contrib une feature, comme on l'avait fait pour Terra template La feature, elle est notée ici dans l'onglet features, donc nous on veut cette ligne là. Donc la feature s'appelle SQLite underscore pool. Donc, je vais copier-coller cette features, la rajouter dans mon cargo.toml. Donc, après Terra Templates, on va rajouter SQLite Pool. Ensuite, on doit rajouter un Rocket.toml qui est un fichier de configuration global pour notre application Rocket. Alors, on ne l'avait pas encore créé. Je ne sais pas trop où ce fichier doit être posé. Je pense à la racine du, du projet. Donc, on va le mettre à la racine du projet. Si on a un problème, on le verra tout de suite, je pense. Donc, je vais créer ce fichier Rocket.toml et je vais mettre à l'intérieur cette information-là qui est le chemin vers la base de données. Donc là, je fais new file, roquette.toml, et je copie-colle cet élément-là. Donc ça, c'est le nom de notre base de données, on peut lui donner n'importe quel nom. Donc moi, je vais juste l'appeler db pour que ce soit un nom un peu générique. Et ensuite, on a le chemin vers notre base de données. Donc là, je vais mettre slash database slash database.sqlite. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre le slash à la base ou pas. Je ne pense pas, parce que c'est un chemin, je pense, relatif par rapport à la racine, par rapport à là où on exécute notre programme. Donc, je vais plutôt l'enlever. Et donc, ça sera du coup un chemin relatif à l'endroit de notre projet, enfin, ou l'endroit où on lance l'exécutable. Le, Mais on lancera l'exécutable depuis la racine du projet. Donc, on va avoir un dossier database. Donc, je vais créer tout de suite ce dossier database. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler database.sqlite. Donc, c'est un fichier tout simple où il n'y a rien dedans. Une fois que ceci est fait, on peut continuer. Donc maintenant, pour euh, configurer la base de données, il nous faut une structure qui représente notre base de données. Donc pour ça, j'ai juste à copier-coller cet élément-là. Donc je vais hop, tac, aller dans mon src, main.src. Et ici, par exemple, je vais rajouter ma structure de base de données. Donc là, ça ne va pas être log. Moi, je l'ai juste appelé db, ma base de données. Ensuite, on ne va pas utiliser diesel. Nous, on va utiliser une connexion spécifique. Donc pour utiliser la connexion spécifique, on va regarder, on a le use ici, donc pour diesel. Mais nous, on va regarder plutôt le pullable type. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, dans notre ligne, nous, c'est rusk light 2.2.connection. Donc, pour ça, on va faire un import. Alors, je vais copier-coller l'import depuis ici. Donc, c'est use rocket contrib databases. Et donc là, ensuite, j'ai plus qu'à copier-coller l'autre élément qui est cette partie-là. Donc là, j'ai mon connection Et ce connection-là, je vais pouvoir l'utiliser ici. Ensuite, ici, on a une macro database. Je ne sais pas trop d'où elle vient. Je pense qu'elle vient d'une crate, enfin d'un truc extérieur. Donc, on va regarder un petit peu l'exemple. Et on a un externcrate RocketContrib avec un macro use. Donc, je pense que c'est de là d'où vient le database ici. Donc, je vais pouvoir rajouter ce externcrate RocketContrib. Si je reviens ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire Eh bien, pas grand-chose d'autre. On n'a plus qu'à attach notre fairing, donc comme on l'avait fait pour les templates. Donc les fairings, c'est une sorte d'extension pour requêtes. Donc je vais aller ici et je vais attach mon fairings. Sauf que moi je ne vais pas l'appeler log je vais l'appeler juste dbcon. Parce que c'est un truc un peu plus générique. Ok, donc maintenant que j'ai fait toutes ces modifications, normalement j'ai rien de surligné, mais tout devrait fonctionner et le script devait compiler. Je vais regarder quand même à la fin si on n'a pas d'autre chose. Ensuite, on peut faire des requêtes avec cette, cette connexion. Mais moi je vais plutôt garder ça pour la prochaine vidéo, parce que ça va être un petit peu plus complexe. Il faut qu'on crée une table, il faut qu'on... Créer les requêtes, etc. Donc lançons juste un cargo run pour vérifier que rien n'a cassé. Tout a l'air de fonctionner. On va quand même aller voir sur Localos 2.8000. On arrive à charger la page, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette série sur Rust et Rocket.